apporter un petit peu de fraîcheur dans un coin à l'ombre qui ne reçoit pas le soleil direct, il n'y a rien de tel qu'une composition de plantes à feuillage coloré, surtout si on a un contenant à recycler, comme ici par exemple un vieux soavigne qui était percé. Vous allez voir, en 2 minutes, une composition clé en main. C'est parti! Choisissez un contenant à recycler, en zinc ou en bois par exemple. Si comme ici, il n'est pas déjà percé au fond, faites-y des trous de drainage en le perçant au fond à plusieurs reprises. Choisissez des plantes à la silhouette agréable et qui viennent bien en pot, comme des ostas, des plantes à feuillage coloré comme des euchères ou des bégonias de pleine terre, et si vous avez un contenant assez grand, des petites fougères pour compléter le tout. Sortez les plantes de leur pot et défaites un peu la motte, mais pas trop. Faites tomber la terre qui ne tient pas, sans blesser les racines. Procédez ainsi pour toutes les plantes à installer. Si les mottes de racines sont très denses, laissez-les telles quelles. Garnissez le fond du pot d'une couche de terreau et même de billes d'argile si les trous de drainage sont petits. Mettez ensuite les plantes en place, en mettant les grandes au centre et les plus petites autour. Comblez l'espace libre entre les mottes en garnissant avec du terreau et égalisez un peu avec la main. Dernière étape, placez la jardinière à son emplacement définitif, à l'ombre, et arrosez. C'est tout!